justement qui écarte ce ballon. Attention. Attention. Oh, et but. But. Dès la sixième minute, marqué par Vice, le numéro 14 de cette équipe de Tampere. Frescu. Bien frappé. Écarté par les Bordelais. Ouh, elle flirte avec la barre. Oui. Est-ce qu'elle a touché un transversal? Oh, elle l'a... En tout cas, si elle ne l'a pas touché, elle n'est pas passée loin. Hein. Oui. Ah, elle est belle la frappe. Hein. Ballon flottant. Je pense qu'elle touche un transversal. Oui, oui. Le haut de la transversale. Oui, oui. Mais regardez comme il a tout le temps d'ajuster sa frappe. On n'est pas ressorti assez vite. Kavenaghi sur ce bon centre d'Aubertin. Ouais. Là on a été réaliste, on a bien, bien mis du monde au premier poteau et au deuxième poteau. Et de manière efficace. Ballon écarté, premier poteau par Marange. Et ça va revenir très vite. Non, au-dessus. Oh, bah, Lucarne. Allez, pleine lucarne, Petrescu, la balle de Petrescu. Et pourquoi la mettre mieux, Lucarne? J'ai cru qu'elle allait sortir. Moi aussi. Il peut pas la mettre mieux, Petrescu. Il a décollé la toile d'araignée. Oh, quelle frappe! Quelle frappe du meneur de jeu finlandais. Coup du pied, regardez, un rebond. Oh, ballon flottant. Elle semble fuir et elle revient. Pleine lucarne. Il va prendre de l'extérieur du pied droit, donc le ballon va tourner. Côté droit, ah, il peut rien. Oh là là là. Négation, cette équipe finlandaise. Oh, il l'a laissé. Il l'a laissé filer. Kavenaghi derrière, il n'a pas cru l'Argentin. Allez, un bon centre. Il est bon, ce centre. Et le but. Et voilà. L'égalisation à la dernière minute. Oh, demi-coup. Demi-coup. Oui, tête piquée sur un super centre. Bien travaillé, parfait. 92e minute. Centre d'Aubertin. Regardez, il va prendre tout son temps et il voit tout seul Mikou. Regardez, Mikou, il est tout seul, lui il ne manque pas sa tête. Ouais. Il effleure ce ballon de la tête, Johan Mikou, pour la mettre petit filet. Et il la touche encore. Le gardien, il la touche. Présentation de ce match, Thierry. Hein. Il y a 8 internationaux finlandais dans cette équipe. L'équipe de Finlande est deuxième de son groupe. Oui, oui, ils vont peut-être se qualifier devant pour le Portugal. C'est dire la qualité quand même du football finlandais. En tout cas, ils y croient. Avant, il y avait un bon joueur finlandais par-ci, par-là. Il y a eu Litmainen, il y a eu Tainio. Bon, maintenant... Allez, Kavenaghi, bien joué, but. Ah, ouais, but. Oh, le lob. Ah, le lob à la terre. Ah, il a... c'est dur pour les Finlandais. Oui, et c'est un très joli but, ça. Du bout du pied, il a mis l'intérieur du pied en bout de course. Beaucoup de maîtrise technique dans le geste de l'Argentin pour lober merveilleusement. Cavette qui ne pouvait rien faire. Regardez, super ballon, bien travaillé. Et là, du bout du pied, il va allonger la jambe. Il voit qu'il est avancé. Ouais. Lob parfait. Technique. Ah ouais, il faut avoir une maîtrise, il faut bien se placer sous le ballon. Et après, le geste sûr pour lober Cavette. Et là, dans la prolongation, dans le temps additionnel, eh bien, les Girondins sont allés chercher cette victoire. Et une victoire tout à fait évidemment méritée, hein, parce que c'est là quand même un gros écart entre les deux équipes. Même si on a quand même un peu eu peur à 2-1. Il a fallu attendre la 92e et c'est la fin. Victoire donc arrachée in extremis par les Girondins.